suis présentement avec Alia, Sarah, Élodie et Jacques. Ce sont les réalisateurs du film Un aveu. D'ailleurs, d'où vient le nom Un aveu? Bien, le nom a été un peu compliqué à trouver, je te dirais. Ça a été vraiment un long processus. On a finalement trouvé Un aveu parce que... Mais je vais pas révéler les détails tout de suite, mais vous allez le voir durant le film, bien sûr. Puis, je vais pas révéler de détails, vraiment. Ben c'est bien correct aussi. Il y a d'autres films comme vous que... C'est bien correct. Il y a d'autres films comme vous que le titre révèle beaucoup. D'ailleurs, qui a fait le scénario ou d'où vient l'idée du scénario? J'ai trouvé l'idée parce que de base, c'était pas ça du tout. Mais je dirais que les gens qui ont vraiment plus contribué à l'écrit du scénario sont Sarah et Elodie, vraiment, qui ont vraiment beaucoup contribué. Parfait. Est-ce que vous êtes capable, sans trop dévoiler, c'est quoi un peu l'histoire de votre film? Ah. Est-ce que j'ai pas entendu la question? C'est quoi un peu l'histoire de ton film sans le dévoiler? Oh mon Dieu! OK. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui travaille à la bibliothèque puis il croise une fille qui étudie en psychologie. Là, il fait semblant que lui aussi étudie en psychologie pour essayer de connecter avec elle. Puis finalement, en parallèle, il compte à un curé son histoire d'amour, comment il a rencontré la femme de sa vie. Puis à la fin, il réussit enfin à l'inviter chez lui pour continuer à étudier. Puis ben, il essaie de se rapprocher peu à peu. Parfait. Vous êtes quatre personnes, dont sûrement que vous avez séparé des tâches entre personnes, donc quelqu'un, caméraman, nous son. Qui a fait quoi durant le film? Moi, comme je suis photographe, j'ai plus une maîtrise au niveau de la direction photo. Donc, sur le tournage et sur tout le long du film, je me suis concentré sur l'aspect esthétique du film, donc tout ce qui est l'éclairage, de la beauté de l'image. Parfait. Et toi, qu'est-ce que tu fais durant le film? Moi, je dirais que j'ai pas mal touché à tout. J'étais encore en exploration, puis pas mal ça. C'est bien correct comme ça aussi. T'es juste en première année. Et vous? Moi, c'est simple. J'ai vraiment fait tout l'aspect sonore. Fait que j'étais à la perche. Parfait. Et toi? Moi aussi, j'ai fait pas mal de tout. J'ai fait de la direction photo, j'ai fait le montage, j'ai fait de la DA, donc les accessoires et tout. J'ai fait l'éclairage. Pas mal de tout à fait. Mais parfait. Durant votre film, quel a été le plus grand défi que vous avez vécu? Le temps. La gestion du temps, vraiment. Ouais. On avait des lieux qui avaient des dates du temps limite, donc on pouvait pas prolonger, puis ça faisait en sorte qu'on n'avait pas le temps de finir. Ouais, c'est souvent ça qui arrive en cinéma. Hein. Mais ou sinon, autre qu'un défi, quelle a été votre fierté durant votre film? Quelque chose que quand les gens voient votre film, vous êtes très fiers de ça. Ben, je pense que la fierté pour notre film, c'est qu'on s'est donné à fond pour capturer les scènes qu'on voulait vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une scène qui était mal faite ou l'acteur avait un mauvais jeu ou même que l'éclairage ou quelque chose ne convenait pas, on n'hésitait pas à la refaire. S'il fallait refaire une prise 5, 6, 7, 10 fois, on est allé jusqu'à 22 prises. Fait qu'on a vraiment refait les prises pour avoir les moments, les meilleurs moments, vraiment. Ben, parfait. Vous êtes des premières années, c'est votre première fois que vous venez à Vidéosoc. Quand vous avez appris que votre film allait passer dans un grand écran, comment vous êtes senti? Ça a été quand même une bonne émotion. Moi, je l'ai appris en étant sur la job. Fait que, tu sais, t'es pas nécessairement sur la bonne vibe, je pourrais dire. Puis là, t'apprends ça. Waouh! Je vais te représenter dans un cinéma. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est ça. Est-ce que vous voulez racheter de quoi, les deux? Moi, je pensais qu'on allait être prise, mais pas réellement. C'était plus la fierté d'avoir fait mon film. Puis quand on a été vraiment pris, j'étais très, très contente. C'est très fière de nous, vraiment. Bien, je vous souhaite bonne chance cette soir et bon visionnement. Et bon visionnement. Au revoir, mon ange. Je pars à l'église.
Mon père, je dois me confesser, car je crois avoir fait la rencontre la plus merveilleuse qui soit. Je suis tombé sous le charme d'un ange véritable. Elle est la femme parfaite. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque pour la première fois, par pur hasard. Et pourtant, il était difficile de ne pas la remarquer. Personne ne pouvait égaler sa beauté, ni la délicatesse qu'elle avait pour tourner les pages de son cahier. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui parler. Et quand elle a posé son regard sur moi, je l'ai senti, cette connexion. J'ai appris beaucoup sur elle au cours de la semaine. Elle s'appelle Gabrielle. Elle a 20 ans. Elle étudie en psychologie. Et elle est tellement attentionnée. Elle avait des yeux en forme d'amande. De si belles lèvres rosées qui suppliaient à être embrassées. Des si beaux cheveux, si bien coiffés. Ses mains si pâles et si délicates qui tenaient à être miennes. Vendredi soir, Dieu m'a donné le courage. Oh, il me reste encore deux chapitres. Ben, ça tombe bien. J'habite pas très loin d'ici. Ben, aimerais-tu terminer l'étude avec moi? On pourrait se prendre à manger aussi. OK. Ben, pourquoi pas. J'ai super faim, fait que ça va me faire du bien. Chapitre 3. Désirer, c'est imaginer. L'érotomanie, ce serait une manie érotique, et donc un amour excessif qui serait produit par un délai d'imagination, et donc qui causerait des idées amoureuses fixes et dominantes. Mais désirer, ce n'est pas imaginer, puisque je peux désirer, mais faire en sorte que la chose devienne réelle. Non, mais il donne juste la définition du terme. Que l'érotomanie, c'est un trouble pathologique d'ordre psychiatrique qui donne à la personne affectée l'illusion de voir des signes d'amour dans une relation. Alors qu'il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Léo, j'ai un chum. Alors tu me fais de fausses illusions depuis le début! Pardonnez-moi, mon père, pour ce petit énervement. Mais soyez sans crainte. Ce n'était qu'un léger accrochage. Je pense déjà me marier avec elle. Et avoir des enfants. Au revoir, mon ange. Je pars à l'église. Avant le cinéma, je voulais être morte. Je me noyais dans un désespoir infini. Lorsqu'un soir, les images ont allumé mon âme.
Les sons ont ravivé ma flamme. J'ai vu en couleur pour la première fois. J'avais les yeux grands ouverts et j'étais prête à tout affronter. Le cinéma m'a donné une force que je ne croyais possible. Et maintenant, après le cinéma, je suis vivante. TV. Ensemble pour notre communauté.